Salam alaikum, fait le vidéo, allez nous la notion de la limite d'une fonction en plus l'infini et en moins l'infini. On va faire des exemples, camarada. On considère à de la fonction, le graphe de cette fonction que nous savons, ou voilà. L'ahed m'aïe jayden. Kulma kberna le x, f de x, c'est dit qarrab le 0. Pour x très grand, f de x est très proche de 0. On dit que la limite de f de x en plus l'infini égale 0. Pour x très très grand, f de x est très très proche de 0. On لاحظ ايضا انه كلما صغرنا le x, f de x تزيد تقرب le 0. اذا حتى في هذه الحاله تنقولوا ان la limite de f en moins l'infini égale 0. هنا ايضا تنقولوا ان f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. وهنا f de x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc هنا f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On a f de x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. اول ملاحظه هنا هي ان باش نهضروا على la limite d'une fonction en plus l'infini, c'est بعدا هاد la fonction qu'on définit au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire qu'un intervalle de type a plus l'infini avec a appartient à R et qu'on inclut l'ensemble de définition de f. لأننا نشوفو le comportement de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Donc, ce qu'on la fonction définie au voisinage de plus l'infini. بحال هنا, فهاد l'exemple, اللي درنا, intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'ensemble de définition de f. Donc, on peut nous donner la limite de f en plus l'infini. وكذلك الامر بالنسبه لموان لانفيني خص بعدا لا فونكسيون تكون ديفيني او فوازيناج دو موان لانفيني يعني ان ان انترفال دو تيب موان لانفيني بي افيك بي ابارتيان ار يكون انكلو في لونسومبل دو ديفينيسيون دو اف بحال في ليكزامبل اللي درنا هنا الانترفال موان لانفيني موان زان اي تانكلو في لونسومبل دو ديفينيسيون دو اف دونك نقدروا نهضروا على لا ليميت دو سيت فونكسيون quand x tend vers moins l'infini. On va voir un autre exemple. On considère cette fonction, le graphe de cette fonction, qui est le graphe de cette fonction, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. On dit que la limite de f de x en plus l'infini, ou la limite de f en plus l'infini, égale plus l'infini. Fois que nous x bitigeant moins l'infini, f de x, c'est plus l'infini. C'est dit que vers plus l'infini. Donc on dit que la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. On trouve un autre exemple. On considère cette fonction, le graphe de cette fonction est l'ellipse. On trouve la limite de cette fonction en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. Ça se rapproche de 0. Donc la limite de cette fonction en plus l'infini, c'est 0. Quand x tend vers moins l'infini, f de x, donc f de x, il tend vers moins l'infini. Donc la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. On va voir d'abord la proposition. Pour toute n appartient à n étoile, la limite de x à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour toute n appartient à n étoile, la limite de x à la puissance 2n en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et pour toute n appartient à n, la limite de x à la puissance 2n plus 1 au moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, elle a l'os, ou est-ce le zéro g ou la fardi. Elle est qu'un zéro g au différent de 0, taban n appartient à n étoile, la limite reste plus l'infini,
Oui, le can fardi, on a la limite moins l'infini. Exemple, la limite de x à la puissance 5 en plus l'infini. Donc en plus l'infini, on tient une chose, le os fardi ou la zéogi. Donc c'est directement plus l'infini. La limite de x à la puissance 3 en moins l'infini, c'est moins l'infini. On a le os fardi. La limite de x à la puissance 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini. On tient une chose, fardi ou la zéogi. La limite de x à la puissance 4 en moins l'infini, c'est plus l'infini. L'anal os 0j est différent de 0. Une autre proposition, pour toute n appartient à n étoile, la limite de 1 sur x à la puissance n en plus l'infini, c'est 0. L'anal la limite de x à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour toute n appartient à n étoile, la limite de 1 sur x à la puissance n en moins l'infini, c'est 0. Il y a la limite de x à la puissance n en moins l'infini, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, vous jamais le halet. Donc 1 sur x à la puissance n, la limite de en moins l'infini, c'est 0. Exemple, la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x à la puissance 5 en moins l'infini, c'est 0. On trouve d'abord la notion de 0 plus. Pour acheter un colonne, la limite d'une fonction f en plus l'infini égale 0 plus. C'est la limite de cette fonction en plus l'infini égale 0. Et si f est strictement positif au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, il existe un a appartient à r, tel que quel que soit x appartient à l'intervalle a plus l'infini, f de x elle est strictement positif. Et donc, quand on fait le cas, on a la limite de f en plus l'infini égale 0 plus. Pour faire l'exemple, la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est 0, qui va être l'ahdon. Où f elle est strictement positive au voisinage de plus l'infini. Donc sur cet intervalle, f elle est strictement positive, qui m'a dit là. Donc, faites le cas, on a la limite de f en plus l'infini égale 0 plus. Nous avons l'amr en moins l'infini. Si la limite de f en moins l'infini égale 0, ici f est strictement positive au voisinage de moins l'infini, alors, on a la limite de f en moins l'infini égale 0 plus. Exemple, la limite de 1 sur x en plus l'infini égale 0 plus, car la limite de 1 sur x en plus l'infini égale 0, et cette fonction elle est strictement positive au voisinage de plus l'infini. Par exemple, si x est supérieur strictement à 1, alors 1 sur x, elle est supérieure strictement à 0. Donc la fonction, elle est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a supérieure ou égale, pardon. La limite de 1 sur x carré en moins l'infini, c'est 0 plus. Car la limite de 1 sur x carré en moins l'infini, c'est 0. Et 1 sur x carré, elle est strictement positive au voisinage de moins l'infini. Elle est même strictement positive sur R étoile Kula. N'est-ce pas la notion de 0 moins, pas 0 plus, c'est pareil. Si la limite de F en plus l'infini égale 0, ici F est strictement négatif au voisinage de plus l'infini, alors, on a la limite de F en plus l'infini égale 0 moins. Par fait l'exemple, la limite de F en plus l'infini c'est 0, et F, elle est strictement négatif au voisinage de plus l'infini. Principalement moins l'infini, si la limite de f en moins l'infini égale 0, et si f est strictement négatif au voisinage de moins l'infini, alors on y crée la limite de f de x en moins l'infini égale 0 moins. Par exemple, la limite de f en moins l'infini 0, et la fonction elle est strictement négative au voisinage de moins l'infini. Principalement les opérations sur les limites, les mêmes propositions, les chiffres de la vidéo à Tsabirat, c'est pourquoi tu as un an, floca de la limite en plus l'infini, en moins l'infini. On chauffe des exemples. Maintenant, on a un an x carré plus 2 sur x. La limite de x carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 2 sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de cette fonction, c'est plus l'infini.
بالنسبة لهاد لا فونكسيون لا ليميت دو x كاري بلس 1 او موان لانفيني سي بلس لانفيني لان لا ليميت ديال x كاري او موان لانفيني سي بلس لانفيني ولا ليميت دو 1 او موان لانفيني سي 1 لا ليميت دو سيت فونكسيون او موان لانفيني سي 1 لان لا ليميت ديال 1 سور x او موان لانفيني سي 0 ولا ليميت ديال 1 او موان لانفيني سي 1 دونك انا عطاتني بلس لانفيني هنا عطاتني 1 دونك limite de la fonction c'est plus l'infini. Principal de la fonction, la limite de x plus 1 en plus l'infini c'est plus l'infini. La limite de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré en plus l'infini c'est 1. Il y en a la limite de 1 sur x en plus l'infini c'est 0. La limite de 1 sur x carré en plus l'infini c'est 0. Donc la limite de la fonction là, c'est plus l'infini. La limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de cette fonction, c'est plus l'infini. On trouve d'abord une proposition concernant les fonctions polynomiales. Soit P, une fonction polynomiale de degré n appartient à n étoile, donc à indice n est différent de 0. Alors, la limite de P en plus l'infini, c'est la limite du terme de haut degré. Donc, la limite de A indice N fois X à la puissance N en plus l'infini. De même, en moins l'infini, la limite de P en moins l'infini, c'est la limite de A indice N fois X à la puissance N en moins l'infini. On se fait des exemples. La limite de cette fonction polynomiale en plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, de 3 fois x à la puissance 3. La limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a la limite de x à la puissance 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de cette fonction polynomiale en moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, de 4 fois x à la puissance 5. Égale la limite de x à la puissance 5 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite de 4 fois x à la puissance 5 en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de cette fonction polynomiale en moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini, dit x au carré égale plus l'infini. On trouve d'abord une proposition concernant les fractions rationnelles, soit P et Q, deux fonctions polynomiales. La limite de P sur Q en plus l'infini, c'est la limite de 1 indice N fois X à la puissance N sur B indice P fois X à la puissance P. Yani akbar had ala akbar had. De même, en moins l'infini, c'est la limite de A indice N fois X à la puissance N sur B indice P fois X à la puissance P. Exemple, la limite de cette fonction en plus l'infini égale la limite 3 fois X au carré sur X. Égale la limite quand x tend vers plus l'infini, x, 3x, la limite de 3x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de cette fonction en moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, d'il 2 fois x à la puissance 3 sur x à la puissance 5. Égale la limite quand x tend vers moins l'infini, on dit x à la puissance 3, on va dire 2 sur x carré égale 0. La limite de cette fonction en plus l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini, il 2 fois x à la puissance 5 sur x à la puissance 5 égale x à la puissance 5, on va dire la limite quand x tend vers moins l'infini, dl2, qui est égal à 2.
هنا طبقنا لا بروبوزيسيون بريسيدونت لان هاد لي 3 فونكسيون سون دي فونكسيون راسيونيل سيتادير فونكسيون بولينوميال سور فونكسيون بولينوميال نشوفو دابا هاد لا بروبوزيسيون سي لا ليميت دو اف اون بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني الوغ لا ليميت ديال راسين دو اف اون بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني اكزامبل La limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la limite de x carré en plus l'infini. Ou la limite de x carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de cette fonction en plus l'infini égale plus l'infini. La limite de cette fonction, la racine, c'est la limite de x à la puissance 4 sur x carré. X carré, c'est la limite de x carré. La limite de x carré, c'est plus l'infini. Donc, la limite de cette fonction, c'est plus l'infini. Et là, on a la limite de f égale L à la place de plus l'infini, avec L strictement positif. Alors, la limite de racine de f en plus l'infini, c'est racine de L. Ou si la limite de f en plus l'infini égale 0 plus... Alors, la limite de la racine de f en plus l'infini égale 0, d'abord c'est 0 plus. On se voit d'abord de la proposition, les déjà je vous n'ai la vidéo de Sabika. Si f de x est supérieur ou égal à u de x au voisinage de plus l'infini, dans le graphe de la fonction f, dans le graphe de la fonction u, donc le graphe de la fonction f, rapporte le graphe de la fonction u au voisinage de plus l'infini. Donc, elle est la première condition. Si la limite de u en plus l'infini égale plus l'infini, alors nécessairement, la limite d'LF en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Exemple, calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Soit x appartient à R. La R plus, un arc de X sur un voisinage de plus l'infini, on a un arc de sur R. Soit X appartient à R, on a X carré, la fois le cos de X, elle est supérieure ou égale à moins 1. Donc, X carré plus cosinus de X, elle est supérieure ou égale à X carré moins 1. La limite de x carré moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini, car c'est la limite de x carré. La limite de x carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Elle est une fonction polynomiale. Et comme la limite de x carré moins 1 en plus l'infini égale plus l'infini, alors la limite de cette fonction, c'est plus l'infini, d'après la proposition précédente. On trouve d'abord la proposition similaire à la précédente. Si f de x est inférieur ou égal à u de x au voisinage de plus l'infini, le graphe de la fonction f, donc le graphe de la fonction u au voisinage de plus l'infini, si la limite de la fonction u en plus l'infini égale moins l'infini, donc, si la fonction u, la limite de la en plus l'infini égale moins l'infini, alors nécessairement, la fonction f, la limite de la en plus l'infini, réconcilie moins l'infini. Exemple, calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a sinus de x, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, moins x plus 1 sur x, plus sinus de x, elle est inférieure ou égale à moins x plus 1 sur x, plus 1. La limite de cette fonction en plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite de cette fonction, c'est 0 en plus l'infini. La limite de la fonction en plus l'infini, c'est 1. La limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite de cette fonction, c'est moins l'infini. Alors, d'après la proposition précédente, la limite de cette fonction, c'est moins l'infini.
تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.